Nous allons venir maintenant à la finale du sol avec Soria Chavouche. Attention, un beau tempérament à cet agrès et une entrée particulièrement impressionnante. Un vrai saltoir encore carpé. Et sorti même trop d'élan. Dommage. Un petit dixième qui s'envole bêtement. On a beau double arrière carpé. Ah, dommage. Ah, là, ça manquait un petit peu d'impulsion. Peut-être un petit peu de fatigue de la compétition d'hier. Peut-être sa chute à la poutre. Hein, ça... Oui, aussi. Ça niveau fait nerveux, physique, ça doit quand même jouer parce que c'était vraiment une grosse, grosse chute. Mais elle a quand même beaucoup de tempérament et belle présence hein, sur le praticable. Allez. Allez, c'est une battante, elle va aller jusqu'au bout. Double Brienne. C'est la fin de la compétition pour Soraya, ça fait long hein, quand oui, même. Oui, ça fait long, 8 épreuves en 2 jours, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, mais cela fait partie du jeu et permet au gymnaste de s'aguerrir et d'obtenir une meilleure condition physique pour la suite. Vous voyez, son entrée avec une sortie praticable. Et là, la petite faute à l'impulsion après le tempo. Voilà les jambes. Il en manquait un tout petit poil. Et l'enchaînement, autant après le flip sans les mains, est extrêmement difficile. Randa de flip, impulsion, on reste le corps et double vrille ennemi.